Messieurs, mesdames, bonjour, bon après-midi et vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous attendons les autres invités pour qu'ils viennent à bord. Entre-temps, nous passerons une vidéo pour expliquer la convention en attendant que les autres participants se connectent. Javier, please, can you share the video at 2:43, okay? In 1 minute. OK. The Technical Assistance Programme is an essential component of the Rotterdam Convention. It strengthens countries' capacities in chemicals and pesticide management. This is a prerequisite for the implementation of the Convention, of course. And the Technical Assistance promotes sound pesticide management and also alternatives to reduce the risk of these substances to human health and the environment. Technical assistance is the provision of information, of training, of tools, of any kind of support to countries in order to implement the Rotterdam Convention. We have various types of technical assistance we can offer. For one country, it is more important to enhance the cooperation on a national basis. Some countries ask for particular support in monitoring pesticide poisoning cases. We can support countries in finding alternatives to newly listed chemicals under the Rotterdam Convention. We can offer training on how to create a national action plan. We can offer basic training on all the obligations being taking final regulatory actions and notifying the Secretariat. We also provide tools and guidance documents. We have on our website a resource kit, which is currently restructured in order to make it more user-friendly. Actually a country-driven or country-requested activities. We solicit the needs of countries. We actively ask them via questionnaires, via online information gathering, what it is they really need. And it is important that the country is really committed to work on a certain topic that the country really wants to implement the convention, in order to protect their people and their environment from the risks that, for example, pesticides pose. In Africa and Near East, we were working over the last 13 years to provide technical assistance on the implementation of the Rotterdam Convention. As a result of all those activities, mainly in CIRS region, we have already two pesticides listed in Annex 3 of the Convention based on the CIRS notification, andosulfan and carbofuran. In addition, we have three other pesticides under consideration by the Convention. La Secretaría del Convenio de Rotterdam
ha recibido mucho apoyo por parte de la PAP en cuanto a la implementación del proyecto de capacidad en el país de identificar y monitorear incidentes relacionados con pesticidas peligrosas y extremadamente peligrosos. The Rotterdam Convention provided technical assistance to three Portuguese-speaking countries in Africa, Cabo Verde, Guinea-Bissau, and São Tomé and Príncipe. Intervention strategies was developed, including a baseline study for understanding the pesticide management at national level. Then a collection and analysis of data through a survey in the rural communities, and also a legal gap analysis report. Tenho mesmo a salientar que foi extremamente importante porque permitiu a capacitação não só dos técnicos como também da própria autoridade nacional designada e que nos permitiu dar resposta à importação relativamente à resposta de importação. A área mais importante foi a atualização do quadro legal. No quadro da assistência técnica, nós tivemos a oportunidade de constituir uma equipa de técnicos que trabalhou com o gabinete jurídico que foi contratado e recebemos a capacitação da parte do Dr. Fabiano, que trabalha no secretariado da Convenção em matéria de elaboração do novo quadro legal. The example is the technical assistance work in Laos. We have facilitated a national dialogue in developing a national action plan. And the action plan has identified actions that needs to be taken and also the role of each stakeholders and the timeline and how to operate. And we approved the new action plan, which is some pending notification and some survey that we need to conduct to report about some hazards and some incidents of the highly hazardous pesticide to Rotterdam Convention. In Latin America, we were working over the last 8 years in a total of 8 countries, specifically providing them with technical assistance to strengthen their capacities to monitor and report severely hazardous pesticide formulations. We assisted the country in preparing surveys in pilot regions where the nationals went out to selected regions where it was pesticide use was high, it was known that the number of incidents is relatively high. So we provided resources for them to set up a monitoring program in pilot regions. And as a result of this activity in 8 Latin American countries, we have now in the convention for consideration already a carbosulfan proposal from Colombia. And those 8 countries made a huge progress in setting up such a system where improved the collection of pesticide poisoning reports, and that information is now being collected on a central level. Es importante recibir asistencia técnica en el marco del convenio de Rotterdam, porque en México estamos todavía en una etapa de implementación en la que es necesario, obviamente, actualizarnos, conocer cuáles son los puntos críticos que deben ser atendidos y que en México aún. 6 Caribbean Highland states, like Antigua and Barbuda, Dominica, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago. He did test studies on pests and pesticides present in the 6 islands, the agroecological practices present in the 6 islands, the alternatives, that's at the desk level. And the field part was carried out by the Caribbean Agricultural Research and Development Institute, based in Trinidad and Tobago. Managed to do a field survey on the actual agricultural practices
present in the six islands, and the alternatives put in place by the population, by the target communities in the six islands. So have an opportunity to share with Jamaicans and to share with the farming community information that we learned on integrated pest management. Using this information will make it easier for us to register pesticides that can be used as alternatives that are not as hazardous. As we're a small island developing state, it is very difficult for us to get some of the information and to review some of the technical dossiers. So this particular project would have helped us in terms of our decision making and bridging gaps in terms of information. And so we're very happy that FAO and Rotterdam would have come together and collaborated with the Caribbean region. Montenegro is a small country, and they have challenges in terms of implementing the Rotterdam Convention as such. Our focus was basically to present the convention in general, and then to focus on submission of these import responses. Of course, we invited various stakeholders from national level that are involved in the chemicals management, both for pesticide site and industrial chemical site at national level. At this point, I'm working with the country on preparing all the 51 import responses, helping them in preparing the drafts. And they are very close in submitting all of them, basically 51 import responses for 50 chemicals, as many as we have listed into Annex 3 of the convention. General technical assistance is financed by voluntary contributions. That means the Secretariat has to actively fundraise for any financial resources in order to carry out technical assistance. And we have certain donors, very important donors, that are regularly contributing to our activities. We receive funding, secure funding from FAO, from the FAO member states. We can also make use of other FAO resources, structures that FAO is offering. One of the important elements of technical assistance is that we look at what was the situation before we work with the country and then after. And this is important to monitor the effectiveness of the convention, because then we can see what have been the outcomes and then the impacts that we have helped to be produced. And by assessing or by identifying the baseline and the situation of the country at the moment that we start delivering technical assistance, we are able that throughout the time when we get the feedback from the country in terms of the outcomes and the impacts, we can see how much they have evolved in the regulatory framework, for example, how much they have been able to increase their notifications, and also the increase in the responses or submissions of regulatory actions. We try to also observe in how far countries continue working on the chemicals agenda, if they get involved in other projects, if they are applying for example, under the special program for small projects, if they are joining forces with other countries in order to exchange information. We have been fostering cooperation of several African countries who then get together and just facilitated by the Secretariat. At the design and planning phase, we try to make sure that this capacity strengthening in countries can be sustained on the longer term. So we are interested in providing the key elements and tools for countries to develop and increase their knowledge and expertise that allows them to comply with the obligations under the Rotterdam Convention. And also important is the dimension of enabling an environment at the country level where we can allow countries or promote the fostering collaboration between DNAs at the national level, but also
engage other actors, stakeholders, which are important for countries to make an informed decision with the convention. Please contact us for whatever information needs you have, whatever questions you have. I hope that we can ensure parties, people in the country, that we are people as well who want to work and who enjoy working with them. That is my wish, that there is a real cooperation between people who really care for environmental health and human health. Merci Javier pour la vidéo. Donc, nous sommes maintenant à 2 minutes du début du webinaire. Donc, on va attendre encore 1 minute. Entre-temps, je vais essayer d'activer les micros des collègues pour faire une petite table ronde juste après l'allocution de bienvenue. Et comme ça, on va tester les microphones des uns et des autres. Celui ou celle entre vous qui voit que son microphone n'est pas actif peut tout simplement lever la main. Comme ça, ça va nous aider afin d'activer tous les microphones. Donc, de mon côté, je pense que j'ai activé les microphones de toutes les personnes présentes parmi nous. Mais s'il vous plaît, pour faciliter la tâche, celui ou celle qui voit que son microphone n'est pas actif peut juste lever la main en haut, en bas. Il y a un bouton qui « raise hand ». D'accord, donc, chers collègues, chères autorités nationales désignées, présents parmi nous aujourd'hui, chers représentants des services phytosanitaires dans les pays africains, nous vous remercions pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous savons que nous continuons tous par passer par des moments assez difficiles vu la pandémie du coronavirus qui continue à toucher nos pays. Nous vous remercions vraiment pour votre soutien continu, pour vos contributions. Nous souhaitons un bon courage pour nous tous. Et c'est l'objet de ce webinaire. Si on n'est pas capable d'organiser des workshops in situ chez vous, dans vos pays, c'est juste vu les restrictions de voyage, les restrictions qui nous empêchent de nous déplacer. Une seconde, s'il te plaît, Léon. Donc, voilà, avant de commencer, je veux qu'on fasse une petite table ronde.
pour que les AND et les participants se présentent. Entre-temps, je veux rappeler le sujet de notre webinaire aujourd'hui. C'est la circulaire PIC, sa structure et son objet. Donc, cette session est organisée essentiellement pour les AND. Cette session est organisée essentiellement pour les AND, donc c'est une session assez technique et assez spécifique. C'est pour vous encourager à contribuer à l'élaboration et à l'édition des prochains numéros de la circulaire PIC. Donc, voilà, je donne la parole. Encore une fois, si quelques personnes voient que leurs microphones ne sont pas actifs, donc il suffit de lever la main. Donc, on commence par Ramatulaya, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Oui, excellent. Bonjour. Voilà, c'est bon. Merci, Ramatulaya. S'il vous plaît, chacun, juste le nom, le prénom et le pays, et s'il est AND, qu'il le précise. Ramatulaya. Bonjour, c'est Madame Ramatulaya. Je suis le point focal de la Convention de Rotterdam au niveau du Sénégal. Merci. Merci. Pascal Rives. D'accord, on passe au prochain. Rihab Trabelsi, s'il vous plaît. Rihab Trabelsi. Oui, Sarah, vous m'entendez? Oui, juste une petite introduction, donc le nom, le prénom et le pays. D'accord, Rihab Trabelsi, assistante avec l'Autorité nationale désignée des produits chimiques industriels de la Tunisie. Merci Rihab. Merci. Kone, Diana Abba. Bonjour tout le monde. C'est Diana Bakone, je suis pharmacienne au niveau du femme du centre antipoison du Sénégal. Merci. Léon, s'il vous plaît. Léon. D'accord, je vois que votre micro. Allez-y, Léon. Oui, alors bonjour. Nom, prénom et pays, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je suis Léon Tizungu, je suis en République démocratique du Congo. Je suis du Centre de recherche agroécologique. Merci, merci. Carlos Cuervo. Carlos. Aminata Touré. Bonjour. Je suis le professeur Aminata Touré, responsable de la toxicovigilance au Centre antipoison du Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Monsieur Charben Moussa, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Charben Moussa, l'AND pesticides à usage agricole en Tunisie. Merci. Vous êtes le bienvenu. Marie-Ange. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, m'entendez? Excellent. Oui. Ok, Marie-Ange Ngango, je suis à Yaoundé, je suis au comité des pesticides de l'Afrique centrale. Merci, le service Marie-Ange. Réglementation et coopération. Merci. Tankeuil. Tankeuil. Oui. Oui, s'il vous plaît, nom, prénom et pays. Oui, je suis Gaston Tankeuil, FAO Cameroun. Merci, merci d'être parmi nous. Ayhan, juste pour tester le micro. Bon.
Voilà, avec nous aussi, il y a l'équipe de la convention de Rotterdam. Amenan, est-ce que vous avez testé votre micro ou pas encore? Amenan. Bon. Donc, voilà, il y a avec nous Livia Donna, Pesticide Management Expert. Il y a Javier et Alexander Mihajlovski de la Convention de Rotterdam, ainsi que Andrea et Emmanuel Niemcy. Donc, maintenant, on va passer à une petite présentation pour parler très brièvement de la Convention de Rotterdam et la relation de la circulaire PIC avec quelques articles de la Convention. Donc, voilà, l'objectif de la Convention de Rotterdam, selon l'article 1, c'est encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et de l'environnement contre les dommages éventuels et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation en assurant la communication de ces décisions aux parties. Donc, les principaux articles de la Convention de Rotterdam qui sont en relation avec la circulaire PIC et qui contribue à la mise en œuvre de la Convention sont particulièrement l'article 4, l'article 5, l'article 6, 7, 10, 12, 13 et 14. Aussi, la circulaire PIC joue un rôle très important dans la mise en œuvre de certains annexes, en particulier l'annexe 1, l'annexe 3, 4 et 5. Je vais m'arrêter sur l'article 5, qui est en relation avec les procédures applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés, qu'il s'agit bien de toute partie qui a adopté une mesure de réglementation finale, on avise le secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, 90 jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de la réglementation finale a pris effet et comporte les renseignements demandés à l'annexe 1. S'ils sont disponibles, toute partie doit, à la date à laquelle présente convention, entre en vigueur pour elle-même, informer le secrétariat par écrit des mesures de réglementation finale qui sont en vigueur à cette date. Toutefois, les parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finale en vertu de la version modifiée des directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications. Le secrétariat doit, dès que possible et en tout état de cause, 6 mois au plus tard, après réception d'une notification visée au paragraphe 1 et 2, vérifier que cette notification contient des renseignements demandés à l'annexe 1. Si la notification contient les informations requises, le secrétariat adresse aussitôt à toutes les parties un résumé des renseignements reçus. Si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la partie qu'il a adressée. Le secrétariat communique aux parties, tous les 6 mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en l'application des paragraphes 1 et 2. Donc, maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Emmanuel qui va nous présenter la circulaire PIC et sa structure. Et on va revenir tout à l'heure pour voir des exemples de près. Emmanuel. Merci, Sarah. Bonsoir, chères autorités nationales désignées, point focal de la Convention. Et chers invités, bienvenue à cette session de formation sur la circulaire PIC, son objet et sa structure. Je suis Emmanuel Niemcy, assistant technique au secrétariat de la Convention de Rotterdam. Cette présentation s'articulera sur plusieurs points, à savoir l'objet de la circulaire PIC, le contenu et la structure de la circulaire, la lettre de présentation qui accompagne la circulaire, le registre en ligne des autorités nationales désignées et une brève conclusion. Comme objet de la circulaire PIC, il est important de rappeler que la Convention de Rotterdam est la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. C'est un instrument de réglementation finale visant à interdire ou strictement réglementer un produit chimique qui n'est pas encore inscrit à l'annexe 3 de la Convention. La circulaire PIC communique à toutes les parties les informations requises aux articles 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Convention. Ce schéma présente la circulaire PIC sur toute l'année. Elle est publiée tous les 6 mois, 2 fois dans l'année, en langue française, anglaise et espagnole, afin de communiquer à toutes les parties les renseignements qui doivent être diffusés par la Convention, par le secrétariat, pourtant pour moi. S'agissant de la structure de la circulaire PIC, elle se présente sur une introduction et sur 6 appendices. L'introduction s'appuie sur des informations contenant toutes décisions prises par la conférence des parties. Elle contient des informations sur les mesures de réglementation nationale prises par les parties en vue d'une réglementation substantielle d'un ou de plusieurs usages d'un produit chimique. Elle renseigne aussi sur l'état de ratification de la Convention et contient une liste des documents mis à disposition afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention. Nous vous expliquerons ci-après le contenu des 6 appendices. L'appendice 1, il s'agit du résumé des notifications des mesures de réglementation finale reçues depuis la dernière circulaire. Elle se compose de 3 parties. La partie A, c'est le résumé des notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu'elles contiennent tous les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. La partie B, il s'agit de notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu'elles ne contiennent pas tous les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. La partie C, il s'agit de notifications de mesures de réglementation finale en cours de vérification. L'appendice 2, il s'agit des propositions de préparation des pesticides extrêmement dangereuses reçues des parties dans la procédure PIC. Elle se compose de 2 parties. La partie A fournit des résumés de propositions dont il a été vérifié qu'elles contiennent bien les renseignements demandés à la partie 1 de l'annexe 4 de la Convention. La partie B, quant à elle, fournit une liste des propositions soumises et dont la vérification par le secrétariat est en cours. Concernant l'appendice 3, il s'agit de la liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC. Elle se présente dans la circulaire PIC sous forme d'un tableau. Et dans ce tableau, vous trouverez le nom PIC préféré du produit chimique, le numéro CAS pertinent du produit chimique, qui est un identificateur spécifique pour le produit chimique, la catégorie sous laquelle figure le produit chimique dans la procédure PIC. Il pourrait s'agir d'un pesticide, d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse ou d'un produit chimique à usage industriel. Elle présente aussi la date du premier envoi du document d'orientation de décision. Il est important de noter ici que les parties ont 9 mois à partir de cette date pour soumettre une réponse concernant l'importation d'un nouveau produit chimique. Les exportateurs doivent se conformer à la décision de chaque réponse 6 mois au plus tard après la date à laquelle le secrétariat informe les parties de la dite réponse. Nous entrerons plus en détail à l'appendice 4. L'appendice 3 est lié à 2 articles clés de la Convention, l'article 7 et l'article 11. L'article 7 stipule que lorsque la décision d'inscrire un produit chimique à l'annexe 3 est prise et que le document d'orientation des décisions est approuvé par la conférence des parties, le secrétariat communique ces informations à toutes les parties. L'article 11 présente les obligations relatives à l'exportation des produits chimiques énumérés à l'annexe 3. L'appendice 4, il s'agit de la récapitulation des informations concernant l'importation reçue des parties et les cas où des réponses n'ont pas été soumises.
elle est conforme à l'article 10 qui stipule que toute partie doit remettre au secrétariat 9 mois au plus tard après la date d'envoi du document d'orientation des décisions, une réponse avec une décision finale ou provisoire concernant l'interdiction future du produit. L'appendice 4 s'appuie sur 3 parties. La partie 1 est l'aperçu de toutes les décisions d'importation reçues par le cependant durant les 6 derniers mois et publiées dans la circulaire courante pour la première. Ça, c'est un exemple de la liste des parties qui ont soumis pour la première fois une réponse d'importation sur les produits chimiques de l'annexe 3. La partie 2 présente la liste des produits chimiques des décisions concernant l'importation émanant des parties. Et la partie 3, il s'agit de la liste des parties qui n'ont pas communiqué de décision concernant l'importation 9 mois après l'envoi du document d'orientation des décisions. Elle spécifie également la date à laquelle les parties ont été pour la première fois informées des cas où une partie n'a pas communiqué une décision concernant l'importation. L'appendice 4, il s'agit des notifications de documentation finale pour les produits chimiques qui ne sont pas inscrits à l'annexe 3. Elle se compose de 2 parties. La partie A, il s'agit du résumé tabulaire des notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dont il a été vérifié qu'elles contiennent les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention de Rotterdam. La partie B, il s'agit du résumé tabulaire des notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dont il a été vérifié qu'elles ne contiennent pas les renseignements demandés à l'annexe 1 de la Convention. L'appendice 6, il s'agit d'un échange de renseignements sur les produits chimiques dont le comité d'études des produits chimiques a recommandé l'inscription à l'annexe 3, mais pour lesquels la conférence des parties n'a pas encore pris de décision finale. Cet échange de renseignements se fait conformément aux décisions de la conférence des parties et au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, en lien avec les échanges d'informations. Si après sont des produits chimiques recommandés pour l'inscription à l'annexe 1. Il s'agit de l'amiante chrysotile, les formulations liquides contenant du dichlore de paraquat à une teneur égale ou supérieure à 276 grammes par litre, le carbosulfane, l'acétochlore, le fention. Quant à la lettre de présentation qui accompagne la circulaire PIC, elle contient les renseignements supplémentaires que le secrétariat utilise pour communiquer avec les parties. Il s'agit entre autres des réunions du comité d'études des produits chimiques, des documents d'orientation des décisions, les résultats de la conférence des parties et des décisions importantes. Voici un exemple de cette lettre de présentation. S'agissant du registre des autorités nationales désignées, il est important de rappeler qu'elle est conforme à l'article 4 de la Convention, si plus que le secrétariat informe les parties des nouvelles nominations et des changements de nom des autorités nationales désignées. Elle est une liste mise à jour des autorités nationales désignées et disponible sur notre site web qui est transmise tous les 6 mois, en juin et en décembre, à toutes les autorités nationales désignées avec la circulaire PIC. Si après sont les attributs des différentes autorités nationales désignées. Au terme de cette présentation, il est important de noter que la circulaire PIC représente le document de mise en œuvre des champs d'information le plus complet produit par le secrétariat. Elle regroupe les informations récentes d'une façon combinée avec l'historique des données liées à toutes les décisions d'importation et les notifications d'action réglementaire finale soumises par les parties relatives aux principales dispositions de la Convention. Vos commentaires et suggestions seront les bienvenus pour enrichir notre cycle, le contenu de la circulaire PIC. Pour plus d'informations sur la circulaire
veuillez contacter les adresses mail ci après. Merci. Je vous remercie, Emmanuel, et je vous demande de arrêter le partage de votre écran afin de revenir sur quelques articles importants que tu as déjà cités et quelques annexes aussi avant de passer à la session de discussion. Donc ici, je veux tout à l'heure, j'ai rappelé l'article 5. Ici, je veux rappeler l'article 4. Donc, l'article 4, est-ce que c'est, vous voyez plein d'écran ou, Non, allô? Il n'y a pas plein d'écran. Ce n'est pas plein d'écran. OK. OK, j'arrive pas à mettre le plein écran, mais en tout cas, donc l'article 4 qui s'agit des autorités nationales désignées. Donc, les autorités nationales désignées, chaque partie désigne une ou plusieurs autorités nationales habilitées à agir en son nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la présente convention. Chaque partie fait en sorte que ces autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter efficacement de leurs tâches. Chaque partie communique au secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, pour elle-même, les noms et adresses de ces autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le secrétariat de tout changement de nom ou d'adresse. Le secrétariat informe aussitôt les parties des notifications qu'il reçoit en vertu du paragraphe 3. Pourquoi je rappelle cet article? Parce que, comme j'ai déjà mentionné au départ, cette session est organisée essentiellement pour nos collègues, les autorités nationales désignées. Et je rappelle aussi l'objectif de la convention, c'est de collaborer et travailler étroitement avec les autorités nationales désignées. Donc, vos contributions, vos recommandations, vos suggestions, c'est ce qui fait que notre travail ensemble sera meilleur afin de protéger la santé humaine et l'environnement des pesticides et molécules chimiques dangereuses. Je ne vais pas revenir sur tous les articles qui sont en relation avec la circulaire PIC, mais je veux m'arrêter sur trois annexes. L'annexe 1 en particulier, qui est en relation avec la circulaire PIC et qui est en relation avec les renseignements que doivent comporter les notifications effectuées en vertu de l'article 5 que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, les notifications doivent comporter les renseignements suivants: le produit chimique, ses propriétés, identification et emploi, les mesures de réglementation finale. Ici aussi, je veux rappeler l'annexe 3. Il s'agit de produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Ici, un exemple de l'annexe 3. En relation avec la circulaire PIC toujours, ici, une capture d'écran de notre site web sur les produits chimiques recommandés pour l'inscription à l'annexe 3. Par la suite, je passerai très rapidement pour rappeler l'annexe 5 qui consiste dans des renseignements que doivent comporter les notifications d'exportation. Les notifications d'exportation doivent contenir des renseignements, par exemple, tels que le nom et adresse des autorités nationales, les dates prévues d'exportation à destination de la partie importante, le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé, ainsi qu'un résumé de renseignements demandés, une déclaration indiquant s'ils sont connus la catégorie d'utilisation prévue, les mesures de précaution à prendre pour réduire l'exposition aux produits chimiques dangereux et ses émissions. Par la suite, je passerai à la deuxième partie de l'annexe 5, les renseignements qui sont
fournir tout autre renseignement complémentaire spécifié à l'annexe 1 que la partie importatrice pourrait lui demander. Donc, ce sont les informations que nous demandons et rappelons nos chers collègues autorités nationales désignées à fournir à la Convention afin de les prendre en considération pour la publication et la mise à jour de la circulaire PIC tous les 6 mois. Je veux ici prendre l'exemple de la Mozambique qui a bien contribué avec la Convention cette année et aussi les années précédentes pour la mise à jour de la circulaire PIC. Donc, maintenant, nous passerons à la session discussion. Donc, pour prendre la parole, il suffit de lever la main à travers le bouton en bas qui s'appelle « Raise Hand » ou bien vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre Q&A. Mon collègue Emmanuel va partager avec vous tout à l'heure le lien d'un survey en ligne que nous vous demandons de le remplir afin d'améliorer la qualité de nos webinaires ainsi que pour suggérer d'autres thèmes pour les prochains webinaires. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vois déjà Ramatulaya qui lève la main. Donc, Ramatulaya, s'il vous plaît. Ramatulaya, il faut ouvrir le microphone pour parler. Et par la suite, on prendra Guno. Madame Diop du Sénégal, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est oui. Bon, allô? Oui, excellent. Voilà, donc je remercie le communicateur concernant cette présentation sur le PIC. Moi, j'ai une question concernant les notifications d'exportation. Alors, pour les notifications d'exportation, en général, puisque nous, la plupart du temps, nous sommes un pays importateur, donc, on reçoit beaucoup de notifications d'exportation à certains produits chimiques. Mais bon, parfois, je constate que les informations sont parfois incomplètes. Bon, chaque fois, pour les formulaires d'accueil et de réception, ou bien de remplir le formulaire de notification de réponse si on autorise ou pas l'importation de ce produit, à qui adresser? Parce que parfois, c'est avec le contact email pic@je-ne-sais-pas-quoi. Et parfois, le pays importe, on ne répond pas souvent au pays exportateur exactement. On répond avec l'email du pic-je-ne-sais-pas-quoi. J'ai oublié l'adresse exacte. Donc, et chaque fois, on constate que la question revient encore pour nous envoyer la notification, pour répondre encore. Donc, je veux vraiment qu'il y ait une traçabilité des informations pour le pays exportateur et le secrétariat de la Convention de Rotterdam. Merci beaucoup. Je vous remercie. Juste une toute petite question. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous envoyez vos notifications à pic@fao.org, c'est ça? Oui, oui, en général, oui. Et c'est, le problème, c'est où exactement? Bon, je ne sais pas. Ça dépend, par exemple, avec l'Union européenne. Oui, ECHA. Voilà, son adresse, voilà, ECHA. Avec son adresse, il est la plupart, c'est là-bas que je réponds. Parce que en général, c'est eux qui écrivent. Exactement. Parfois, il y a l'adresse du pays exportateur, mais parfois, il n'y en a pas. Donc, la question revient encore. On nous renvoie encore un formulaire pour encore répondre. Donc, je me pose la question. Exactement, à qui répondre? Parfois, j'essaie de voir, de répondre oui. Le pays exportateur et le ECHA. Mais parfois, je vois seulement ECHA, je ne vois pas le pays exportateur exactement. Donc, là-bas, il faut vraiment revoir pour avoir une clarification à qui répondre exactement
pour ces notifications d'exploitation ou bien le formulaire d'accueil de réception. Oui. Je vous remercie pour votre question parce que là, vous parlez d'un point très important parce que quand vous recevez l'email de notification d'exportation de la part de ECHA, vous devez répondre au plus tard dans 30 jours. Donc, il faut toujours leur écrire, mais ce serait bien de me mettre en copie. Vous avez mon email et PIC aussi. C'est vrai que parfois, peut-être... Mais pour un meilleur suivi, vous pouvez toujours me copier. Je saisis cette occasion parce que j'ai vu que ECHA, j'étais copiée dans certains emails qui ont été envoyés aux pays africains, mais je n'ai pas vu le Sénégal. Si vous avez reçu récemment une notification, ce serait bien de répondre à leur email en me copiant. Est-ce que ça vous convient? Oui, bon, si vous dites ça, ça m'étonne vraiment parce que moi, à chaque fois, périodiquement, je réponds. Quand je reçois automatiquement les formulaires d'accès de réception et les dossiers d'exportation, je réponds immédiatement et j'envoie par email. Donc, ça m'étonne si vraiment le secrétaire ne reçoit aucune information sur ça. Non, c'est très important que vous notifiez le secrétariat, s'il vous plaît, à propos de ceci. Donc, vous pouvez toujours me copier pour que je puisse suivre, mais sinon, on peut après écrire un mail, s'écrire un mail ou avoir un échange pour discuter de ça d'une façon plus claire afin que les notifications, on soit sûr qu'elles ont été envoyées à ECHA. D'accord? D'accord. Merci. Okay. Je vous remercie. Donc, je passe la... Allô? Oui, Léon. Oui. Oui, merci beaucoup. Par rapport à la question, moi, je voulais poser d'abord la question par rapport à l'état des liens de la convention, mais aussi de l'application de la PIC en RDC. Quelle est son évolution? Mais également, je voulais avoir l'idée sur les autorités nationales désignées par rapport à notre pays, donc la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre question. Donc, au RDC, c'est bien M. Christian Tebila qui est l'autorité nationale désignée. C'est M. Christian Tebila. Oui. Donc, si vous voulez entrer en contact avec M. Christian Tebila, je peux partager avec vous là dans le chat privé son adresse email. Ou bien, on est toujours en contact, on peut s'écrire un email, mais tout de suite, je vais le partager avec vous dans le chat privé, d'accord? Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez reçu, non? Maintenant. Oui. Oui. Je l'ai fait dans le chat. Regarde dans le chat, tu vas trouver l'email de Christian Tebila. Ah oui, oui, c'est déjà oui. Okay, merci. D'accord, merci. Je donne la parole à Joseph et puis à Youssef. Joseph, du Togo. Oui, bonsoir Sarah. Bonsoir à Emmanuel et tous les AMD, les collègues connectés. Et je vous remercie pour ce webinaire qui a été organisé pour nous permettre, nous, AMD, de pouvoir s'approprier des dispositions concernant la circulaire PIC. Mais ma question, j'espère que vous m'écoutez. Hein. Sarah, oui, vous oui m'écoutez? Joseph. Oui, Joseph, je vous entends très bien. Allez-y, s'il vous plaît. OK, merci. Donc, je disais que ma question est relative à... il y a une collègue qui venait de parler de ECHA qui nous fait souvent des notifications par rapport à l'exportation de produits chimiques. Bon, la plupart de ces produits chimiques ne sont pas vraiment inscrits à l'annexe 3. Donc, c'est des produits chimiques
mais pour lesquels le pays exportateur a pris une mesure de réglementation finale par rapport à c'est-à-dire un principe actif là-dedans. Maintenant, lorsque nous recevons la notification, il m'est arrivé deux fois de suite d'échanger avec Echa, parce que la notification, qu'elle arrive, nous prenons soin d'appeler la société qui a été précisée sur la notification comme étant la structure importatrice. Bon, il y en a pratiquement, ils ne viennent pas du tout. D'autres, ils viennent. Mais ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette commande. Okay. Ils ne reconnaissent pas avoir lancé de commande de ce produit. Tout dernièrement, c'était 100 litres de benzène. Et moi, j'ai dit non. 100 litres, c'est trop pour que cette structure nationale importe cette quantité au Togo. Nous l'avons appelée. La structure nous dit qu'elle n'a pas du tout commandé de benzène. Nous avons échangé avec Echa. Echa nous dit qu'en réalité, eux, ils font une prévision annuelle de ce qui peut être commandé au cours de l'année. Et donc, ils nous envoient des notifications pour que nous, on accuse réception. Et là, moi, j'ai dit non. Nous, on ne peut pas accuser de réception pour une telle notification. Dans la mesure où la structure nationale qui voudrait lancer la commande, qui a été spécifiée clairement sur la notification comme étant la structure qui importe, dit n'avoir pas lancé de commande relative à ce produit chimique. Alors, sur cette question, c'est vrai que vous m'excusez, Sarah, la dernière fois, je n'ai pas pu vous mettre en copie pour que vous puissiez suivre cette conversation. Sur cette question, je n'ai pas du tout donné d'accusé de réception. Je voudrais voir, dans le cadre de la Convention de Rotterdam, qu'est-ce qui doit en être par rapport à de telles notifications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Youssef, si vous nous permettez juste deux minutes pour qu'on clarifie ce point, parce que ce point a fait l'objet de discussions internes aussi les semaines dernières, et c'est un point très important. Donc, pour répondre à tes commentaires et ta question, Joseph, une fois... Oui. Vous, en tant que AND, vous recevez une notification d'exportation de produits chimiques dangereux conformément au règlement de l'Union européenne. Il est très important. Allô? Allô? Oui, allô, je vous suis. Allez-y. Donc, il est très important que vous répondez dans les 30 prochains jours. Quand vous dites comment c'est en relation avec la Convention de Rotterdam, je saisis cette occasion pour rappeler le lien. Donc, conformément à l'article 12, une partie exportatrice doit envoyer une notification d'exportation annuelle pour tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans une catégorie d'utilisation prévue par la Convention. Les obligations de la partie exportatrice par rapport à ce produit chimique s'arrêtent à la notification d'exportation. La partie importatrice accuse réception de la première notification d'exportation qu'elle reçoit. Après l'adoption de l'interdiction, la réglementation stricte du produit chimique dans la partie exportatrice. Pour les produits chimiques énumérés à l'annexe 3 de la Convention, de ce fait soumis à la procédure PIC. L'obligation de notifier l'exportation cesse quand la partie importatrice a donné une réponse d'importation claire conformément à l'article 10. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau par rapport à la relation avec la Convention de Rotterdam. Mais, Joseph, si vous pouvez m'envoyer la notification que vous avez reçue, et on va communiquer au niveau de la Convention avec nos collègues en Finlande, oui. pour voir
comment on peut clarifier les choses pour vous et Rahmatullaya aussi. Parce que je ne suis pas au courant de ces notifications. J'ai reçu d'autres notifications qui concernent des pays africains, mais pas le Togo et non plus le Sénégal. Ok, d'accord. Je vous remercie. J'ai pas mal de notifications, plus de 3 ou 4 notifications même dans les semaines passées. Je vais tout ça là vous renvoyer. S'il vous plaît, c'est très important. Oui, c'est très important. Il faut répondre avant 30 jours aussi. Donc voilà, on peut s'écrire juste après. Je vous remercie. Merci. Et je donne la parole à Youssef Zidi de la Tunisie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'organisation de cette importante réunion. J'ai quelques petites questions. La première question concernant qu'est-ce qu'on a remarqué depuis quelques années, on ne reçoit pas de notification à propos du produit inscrit au niveau de l'article 3 de la Convention. Est-ce que ça, c'est normal ou non? Ou vous voyez que ce n'est pas normal parce que... Non, ce n'est pas normal. Oui, depuis longtemps, on n'a rien reçu comme notification à propos de cette liste-là. Mais on reçoit d'autres notifications à propos d'autres produits, surtout produits qui sont réglementés ou strictement réglementés au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour un cas concret, par exemple, pour un pays qui a répondu définitivement pour les pesticides. Mais on n'a pas encore répondu définitivement à propos du produit chimique dangereux. Est-ce que, surtout qu'on n'a pas encore une réglementation nationale, locale, pour interdire tel ou tel produit, mais nous voulons faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous conseiller de répondre ou de donner notre avis sur tous les produits chimiques qui ont été inscrits au niveau de l'annexe 3, il dit non, pour notre cas, nous ne voulons pas recevoir de demande d'exportation. Ça, est-ce que c'est faisable conformément aux différentes dispositions ou non? Ce que je propose, parce que c'est un cas concret et vous savez, les choses se traitent pays par pays. Donc, ce que je propose, quand vous serez disponible, on pourra faire une réunion là-dessus. On regarde tous ces points ensemble et on fera ensemble un work plan. Comment on va faire? Est-ce que ça vous convient? Ça me convient rapidement, je suis prêt. Si nous pouvons même fixer une date ou directement pour vraiment discuter ce type de questions qui sont très importantes pour nous. Oui, vous m'écrivez un mail et on fixe une date et on regarde qu'est-ce qu'on va faire sur ce point relatif aux notifications. Aussi, si vous avez besoin d'assistance technique, on peut voir les choses en détail. Par ailleurs, vous avez évoqué un point important qui est, j'ai oublié le point, mais vous avez dit que vous ne recevez pas de notification. Donc oui. Ça, c'est un peu, peut-être vos adresses e-mail ont changé ou puisqu'on reçoit d'autres demandes, autres que le produit inscrit à l'annexe 3. Oui. C'est que je pense qu'il n'y aura pas d'utilisation actuelle de ce type de produit. Peut-être ça. Depuis 2 ans, 3 ans, on n'a pas reçu de demandes spécifiques pour la liste en annexe 3, mais on reçoit pour d'autres produits. Est-ce que ça, c'est logique ou non? D'accord. On va voir ça en détail. Juste d'accord. Vous communiquez vos disponibilités. On va voir ça en détail. Je redonne la parole à Joseph. J'ai vu que vous avez levé la main. Ah non, c'était... Je n'avais pas désactivé. Vous m'excusez, Sarah. D'accord, merci. Léon? Allô, vous m'entendez? Oui, vous avez levé la main?
Oui, merci beaucoup. Je voulais au fait avoir une précision par rapport à la première question que j'ai posée, par rapport à l'état des liens de la mise en œuvre de la convention ainsi que même la PIC en RDC. Oui. La question n'a pas été répondue, mais plutôt vous aviez répondu à la deuxième question qui concerne donc le point focal, plutôt l'autorité nationale désignée. Oui. Et donc aussi, j'ai eu même pour la première réunion que nous avions pour la convention, j'ai eu à demander ce qu'il y a, le point focal en RDC, ce que vraiment il y a quelque chose déjà qui est fait par rapport à ça. Oui. D'accord. Donc, vous savez, avant la pandémie, il y avait des choses sur le terrain, mais vu qu'il y a plein de restrictions de voyage et tout, pour l'instant, il n'y a pas de programme d'assistance technique sur le terrain au RDC, mais nous sommes toujours en contact avec Christian, le point focal de votre pays désigné par votre gouvernement. On est en train aussi de communiquer avec des ONG, entre autres vous, pour mettre en place un programme de renforcement des capacités en matière de réduction des effets des pesticides dangereux. Mais vous savez, c'est mettre en place un programme dans le pays actuellement. Il faut des service providers qui ont certains critères. Donc, nous sommes toujours à la recherche de partis et d'institutions à mettre ça en place, mais vous savez mieux que moi, les conditions, pas seulement COVID, mais au RDC, les conditions générales en ce moment, elles sont un peu difficiles. C'est pourquoi vous voyez un peu de lenteur dans notre réponse à la demande d'assistance technique qui a été déjà présentée de votre pays. J'espère que j'ai bien répondu à la première question maintenant. Oui, exactement. Merci. Oui, c'est bien répondu. Merci à vous. Donc, Youssef, est-ce que c'est la main levée tout à l'heure ou c'est… Non, c'est tout à l'heure, oui. Non, c'est pas… D'accord. C'est pas donc, Kossi. Merci de m'avoir donné la parole. Vous m'excusez, j'ai pris le séminaire en route. Mais je voulais poser une question justement à partir de votre réponse que vous venez de donner. Kossi, une seconde. Je serai très heureuse d'écouter votre question, mais juste très rapidement, quel pays et quelle institution vous représentez? Je viens du Togo et je suis de l'Université de Lomé. Très enchantée. Et j'entends votre question. Très enchantée. Oui. Tout à l'heure, quand vous répondez à la question du collègue qui vient du Congo, vous avez parlé de l'assistance technique. Donc, je voulais voir quelle contribution l'université peut apporter dans la lutte contre les pesticides avec la Convention de Rotterdam à votre niveau, quoi. D'accord. Donc, aussi, je reviens à la présentation et à l'article 4 de la Convention, qui est les autorités nationales désignées auprès de la Convention de Rotterdam. Donc, pourquoi j'ai mis l'accent sur ce point, c'est parce que la Convention de Rotterdam, elle collabore essentiellement avec les autorités nationales désignées. Comme vous avez vu à travers la présentation que mon collègue Emmanuel vient de donner, c'est que ce sont les autorités nationales désignées, dans votre cas, c'est M. Joseph Baffi, ce sont eux qui communiquent avec les acteurs locaux, avec les institutions de recherche, avec les ONG, et ils font, on peut dire, une investigation ou bien un état des lieux, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et toutes les demandes, elles sont remises à la Convention à travers l'autorité nationale désignée. Dans votre cas, c'est M. Joseph Baffi. Donc oui, on peut collaborer avec les institutions de recherche, mais les demandes d'assistance technique doivent toujours nous être transmises à travers l'autorité nationale désignée. D'accord.
Si vous permettez, Youssef, je me souviens maintenant de la question que je voulais vous poser. Vous avez évoqué un point, peut-être je ne l'ai pas bien compris, mais il est très important. Vous avez parlé de la législation en Tunisie et les réglementations du contrôle phytosanitaire. Donc, je veux juste poser une question. L'actuelle réglementation, elle date de quelle année? La réglementation de quoi? C'est-à-dire pour les produits pesticides? Le contrôle phytosanitaire et les réglementations de l'export-import. Donc, est-ce qu'il s'agit de nouvelles lois qui ont été récemment actualisées ou est-ce que vous avez des anciennes lois? Je crois que nous disposons d'un nouveau texte réglementaire. La vérification du contrôle de ce produit-là. Si vous pouvez vérifier et nous mettons ça dans les agenda items de notre réunion, ce serait important. Je vais le faire, ça. Là. D'accord. Donc, les lois qui règlent l'export et l'import et les lois, la législation du contrôle phytosanitaire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Charben Moussa, Si Charben, est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone? Oh, voilà. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bon après-midi. Bonjour, Sarah. Et à tous les participants, merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc, ce que je peux apporter sur ce sujet, vous savez que pour la Tunisie, tous les produits qui sont inscrits, le produit pesticide à usage agricole, qui sont inscrits à l'annexe 3, ils sont prohibés. Donc, ils ne sont pas commercialisables, ils ne sont pas importés. Mais il y a la procédure PIC européenne. Donc de temps en temps, on reçoit donc des notifications d'exportation de la part de l'ECHA concernant quelques substances actives qui sont donc retirées ou bien interdites dans l'Union européenne, mais qu'elles sont encore utilisées en Tunisie. Donc, actuellement, nous, on essaye de revoir notre liste de substances actives à usage agricole en Tunisie. Mais je ne sais pas, je reviens à la question de la circulaire PIC. Comment pour nous, en Tunisie, inscrire de nouvelles molécules qui seront retirées, par exemple, de la commercialisation, d'utilisation en Tunisie. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas des évaluations poussées, scientifiques, sur le retrait. Donc, peut-être nous, on s'aligne sur la réglementation de l'Union européenne, vu que nos apports commerciaux au niveau agricole, c'est au niveau de l'Union européenne. Je vous remercie pour la question, c'est très clair. Donc, ici, j'ai deux propositions. La première proposition, c'est que la réunion que nous ferons la semaine prochaine avec Joseph, vous ferez partie de la réunion et on peut... La deuxième réponse, c'est la deuxième proposition, on peut vous assister techniquement pour soumettre une demande. C'est un processus un peu... Oui. Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'évaluation de risque. Donc, on peut vous fournir une assistance technique là-dessus pour vous accompagner afin de soumettre, par exemple, pour la prochaine édition PIC, on peut fournir une assistance technique concernant ce sujet. Donc, ce serait bien, je pense, si avec Youssef, je vais vous écrire tous les deux maintenant, juste après ce webinaire,
un email. Si vous voulez, on peut faire une réunion à trois ou bien on peut faire deux réunions, c'est comme vous voulez. Je sais que c'est un processus assez complexe, donc on peut vous fournir une assistance technique sur ce sujet. Merci. Je vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Je vois seulement... oui. Alors, Tankei. Tankei, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre microphone? Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. OK, merci et rebonjour. J'ai trois préoccupations. La première concerne je ne sais pas si les autorités nationales désignées du Cameroun et point focaux pour la convention de Rotterdam sont en fait existent et participent effectivement à vos réunions et interagissent avec vous. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, je suis en projet à la FAO dans le cadre de l'élimination des stocks de pesticides obsolètes. Et dans le cadre de... Tankei, si vous me permettez, parce que vous avez dit trois questions et j'ai peur que j'oublierai. Donc, je préfère, si vous me permettez, de répondre question par question. D'accord, ça marche. Alors... Pour le Cameroun, le point focal, c'est M. Hamoud Jouda, c'est le sous-directeur des produits chimiques et à Bamako. Il se trouve à Yaoundé. Peux partager ces coordonnées là dans le chat. OK, merci. Donc, je les partage avec vous. Mon collègue Emmanuel, il l'a déjà fait. Mais je peux aussi le faire. Voilà tous les détails de M. Hamoudja. OK. Est-ce qu'il est invité à cette réunion, par exemple? Oui. D'accord, c'est bon, parfait. Oui, l'invitation à cette réunion? Oui. Oui. OK, parfait. C'est le point focal. Il n'y a pas d'autorité nationale désignée pour le Cameroun. Alors, regardez, je vais partager avec vous un lien tout de suite. Si vous pouvez l'ouvrir, c'est ici sur notre site web. Vous trouverez toute personne désignée de la part de votre pays. Donc, il y a M. Hamoujada, comme j'ai dit, c'est lui qui est l'autorité compétente de la Convention de Bâle, la Convention de Rotterdam, et il se trouve à Yaoundé. Okay. Voilà. Je viens de partager tout sur le lien. Est-ce que vous arrivez à ouvrir le lien? C'est bon, je l'ai ouvert déjà. D'accord, excellent. J'espère que j'ai répondu à votre première question. Donc, on peut passer à la deuxième? D'accord, c'est bon. La deuxième, elle concernait les stocks que j'ai présentement à ma possession, comme je disais tantôt, dans le cadre du projet d'élimination des pesticides obsolètes. C'est des produits obsolètes qui vont faire l'objet de destruction. Et comme c'est des produits qui ne seront pas éliminés au Cameroun, généralement, c'est à l'extérieur. Et pour que ces produits se déplacent d'un pays à un autre, il y a un ensemble de conventions qu'on saisit, en l'occurrence, la convention, parmi lesquelles la convention de Rotterdam. Et ma question est de savoir, parmi ces produits, le bromure de méthyle. Est-ce qu'il est aussi concerné ou alors je dois saisir une autre convention qui traite spécifiquement de ce produit? C'est vrai pour les autres
Pesticides, d'accord, je dois saisir, je dois vous saisir. Et pour le cas échéant du bromure de méthyle, quelle est la conduite à tenir? Donc, vous parlez de pesticides obsolètes ou bien de... Obsolètes, j'ai dit, pesticides obsolètes, destruction. Pesticides obsolètes, pas de exactement. Plastique. Vous parlez des pesticides en eux-mêmes ou bien des déchets plastiques aussi. Parce que s'il s'agit de produits plastiques, donc c'est la Convention de Stockholm, mais s'il s'agit de pesticides obsolètes, c'est bien la Convention de Rotterdam. Donc, vous pouvez nous contacter ou bien aussi contacter monsieur le DNA de votre pays, monsieur Hamoja. OK. Bon, ma préoccupation se trouve beaucoup plus au niveau d'un de ces produits, à savoir le bromure de méthyle, oui. Qui est un gaz à effet de serre. Est-ce que vous saisir suffirait ou bien je devrais saisir une autre entité pour les différentes autorisations pour la destruction du bromure de méthyle précisément? Pour les autres, je suis d'accord que je dois vous saisir parce qu'on a eu à détruire un premier stock déjà et on avait eu à saisir la convention de Rotterdam. Mais à l'époque, on n'avait pas de bromure de méthyle. Donc, ma préoccupation est beaucoup plus au niveau de ce produit spécifique, le bromure de méthyle. D'accord. Ce que je propose, Tankeuil, c'est que vous écrivez un email à Hamadjouda me copiant ainsi qu'Emmanuel. Vous avez l'email d'Emmanuel Niamsi, c'est ça? Oui. Ou bien vous pouvez aussi nous écrire et on va transférer votre demande à monsieur le DNA. OK. Alors, la troisième question? Bon, la troisième question, c'est toujours dans le cadre de ce même projet. On a une composante 4 qui est la recherche des alternatives aux pesticides dangereux. Et j'ai été contacté récemment par un des partenaires d'exécution sur le terrain, qui est un professeur à l'Université de Ngaoundéré. L'Université de Ngaoundéré est partenaire d'exécution de ce projet. Et il me faisait part d'une étude qui serait en train de conduire avec les étudiants sur l'utilisation d'un pesticide dangereux pour pêcher les poissons. En fait, une pratique illégale quoi, qui est répandue dans la zone septentrionale du pays. Et il me disait qu'il est en train de faire une petite étude et les résultats sont... ça présente des résultats alarmants et il me demandait avec une telle étude, comment il peut faire avec une telle étude parce que déjà c'est l'échantillonnage il est en train de faire un échantillonnage et analyse, les premiers résultats sont prometteurs, mais il me demandait ce qu'il peut faire comme action à la longue, qu'est-ce qu'il peut faire avec une telle étude, comment on fait pour mettre en œuvre une telle pour D'accord. Tankeuil, si vous êtes d'accord avec moi, parce que la requête, elle n'est pas devant moi, donc peut-être il y a des informations que je dois voir. Donc, ce que je propose, c'est que vous nous envoyez, s'il vous plaît, un email et on va communiquer avec l'autorité nationale désignée dans votre pays afin de fournir la bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, ça marche. Je vous remercie et je donne la parole à mon collègue Gerold Flour-Arius. Gerold? 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 Sarah. Oui. Yes. I see, I saw your hand raised. No. Sorry. OK. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre patience et votre participation.
Nous restons en contact. Donc, pour le moment, on va avoir la semaine prochaine, j'espère, 3 réunions et des échanges d'emails avec le Togo, Sénégal et la Tunisie. J'attends aussi ton email, ton accueil du Cameroun. Toutes les autres demandes et suggestions seront toujours les bienvenues. Je vous invite à participer, à compléter le survey, le questionnaire qui a été partagé dans le chat de la part de mon collègue Emmanuel. Si vous pouvez le partager encore une fois, Emmanuel, ce serait gentil de votre part. Donc, les présentations seront envoyées par email et encore une fois, je vous remercie et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sarah, et à tous. Bye. Merci, au revoir. Thanks a lot, bye-bye. Thank you. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Bye. Bye-bye. Salut, bye-bye. Salut. Bye-bye. Merci.